suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo du mercredi dédiée à ces personnes qui sont l'actualité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Myriam Palomba, comme vous avez vu. C'est une demande qui m'a été faite sur mon Instagram. Donc cette personne qui est chroniqueuse de temps en temps sur le plateau de TPMP, je ne sais pas si on peut vraiment dire chroniqueuse, c'est plutôt quelqu'un qui vient apporter son expertise, qui était jusqu'à présent dans la presse et qui, si je ne dis pas de bêtises, a perdu son emploi pour le magazine Closer il y a quelques temps après avoir été interviewée sur une chaîne YouTube. Lors de cette interview, on lui aurait, puisque c'est vraiment quelque chose qui a été filmé et que j'ai vu, on lui a posé la question concernant l'affaire de Brigitte Macron et de sa potentielle réelle identité, donc Monsieur Trogneux. Et elle a expliqué avoir voulu enquêter, mais que c'était très 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 compliqué et qu'on lui avait expliqué que c'était même potentiellement dangereux. Et je crois que suite à ça, en fait, elle a, si je ne dis pas de bêtises, hein, il faudra que vous vérifiez, mais il me semble bien que c'est suite à ça qu'elle a perdu son emploi et qu'elle a cessé de travailler pour Closer. Donc c'est une dame qui publie régulièrement des posts sur Twitter X. Je ne sais plus trop comment dire, X, j'aime pas. Donc c'est vrai que c'est une personnalité qui s'exprime largement sur la vaccination, par exemple, et puis sur d'autres sujets qui sont plutôt brûlants médiatiquement. Donc ça la change un petit peu, je trouve, de sa personnalité qu'elle qu'elle présente sur le plateau de TPMP, quand je regardais l'émission en tout cas. Puisque TPMP, pour moi, c'est quand même une émission soumise à un groupe avec une certaine orientation de pensée. C'est mon avis, hein, qui n'engage que moi. Pour moi, on est très, 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 très poussé par cette émission, je trouve, dans un sens ou dans l'autre, pour nous indiquer ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Et c'est vrai que je pense que vous avez tous suivi les compléments d'enquête et autres émissions concernant cette émission et son producteur animateur. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de rentrer plus dans les détails, mais c'est quand même une chaîne qui est soumise à un certain patron, Monsieur Bolloré, et qui n'est pas forcément très avide de complotisme, je pense. Donc, comme elle a été taxée de complotiste par plusieurs personnes, je suis toujours étonnée de voir que ça fait quand même partie des personnalités qui sont régulièrement en intervention chez Cyril Hanouna, qui va plutôt à l'encontre de tout ça, et qui pour moi est plutôt un agent de la pensée unique, de ce que les grands puissants voudraient que nous soyons nous, c'est-à-dire des imbéciles qui ne réfléchissent pas et qui se laissent imposer toutes les vérités par un plateau télé rempli de personnes non expertes ou très peu, quoi. C'est-à-dire que quand je vois la pertinence des propos par la plupart des chroniqueurs sur le plateau de TPMP, je vois absolument pas comment ça peut fasciner les foules, vraiment. Après, c'est mon avis, hein, mais avoir l'avis de Géraldine Maillet, qui n'a jamais été bonne qu'à écrire des livres qui se sont très mal vendus en plus, qui parle de Thierry Ardisson parce qu'elle a été frustrée de ne pas avoir été reçue sur son plateau télé comme elle aurait dû à une certaine période de sa vie. Enfin, franchement, je les trouve pas intéressants, quoi. Après, Raymond, c'est bien gentil, il fait l'homme du peuple, mais en réalité, il travaille à la radio depuis déjà je sais pas combien de temps, donc c'est pas non plus une grande découverte médiatique. Guillaume Janton, à la limite, est intéressant, et encore pas toujours, mais voilà, enfin, c'est des gens qui sont experts en rien. Quand je vois Gilles Verdès, qui est soi-disant le musulman du plateau, ça me fait un peu rire. Moundir, qui a été un candidat de télé-réalité on ne peut plus médiocre et qui a volé les plaintes des gens qui s'étaient rebellés à l'époque contre Shona Evans, je ne sais pas si ça vous êtes au courant, mais à l'époque, bien avant Booba, il y avait des youtubeurs qui essayaient déjà de rétablir la vérité concernant Magali Berda et Shona Evans. Et donc il y a des plaintes qui avaient été déposées par des personnes qui s'étaient fait arnaquer par cette société. Et Moundir avait demandé à récolter toutes les plaintes pour pouvoir en faire quelque chose.
Et en fait, ces plaintes ont bien été récoltées auprès de Mundir et elles ne sont jamais arrivées visiblement à rien. Parce que Shona Evans, à l'époque, eh bien, appartenait, enfin en tout cas, Monsieur Hanouna avait des parts dans Shona Evans. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il est chroniqueur chez eux, eh bien, cela peut faire poser des questions. D'autant plus qu'au moment où Mundir avait essayé de prendre la défense du peuple, comme il disait, il a sorti aussi un livre. Donc, il avait complètement un intérêt à être médiatisé et c'était absolument pas une action pour le peuple. Puisque je rappelle que la plupart des personnes qui lui ont envoyé une copie de leur plainte n'avaient toujours pas été indemnisées et s'indignaient auprès d'autres personnes de cet état de fait. Donc c'est vrai que, bon, ben, finalement tout se regroupe hein, quand on regarde. Donc c'est pour ça, à la base, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant de pouvoir traiter. TPMP, j'en doute pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions aujourd'hui, mais j'aime bien l'idée de pouvoir faire certains chroniqueurs plus que d'autres. Je pense que je ferai Mundir un jour, parce que ce sont des gens individuellement qui ont tous des caractéristiques et des histoires qui sont plutôt lourdes pour la plupart d'entre eux. Et j'aimerais vraiment arriver, si ça vous intéresse en tout cas, à percer, pourquoi pas, la personnalité de plusieurs d'entre eux. Donc si vous êtes intéressé plus par un ou l'autre des chroniqueurs, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Ça me donnera une idée de sujet, par exemple, pour mercredi prochain ou pour les semaines à venir, si vous voulez qu'on espace un petit peu plus le sujet TPMP et les chroniqueurs. Pour ce qui est de Cyril Hanouna, je pense que c'est pas la peine, inutile de revenir dessus. Et j'aimerais aussi éviter tout ce qui touche à la vie privée. Donc, pas Kelly Vandovelli pour savoir si elle est avec Cyril, ça m'intéresse pas. Et ça leur appartient, ça n'impacte pas du tout qui que ce soit d'entre nous de savoir leur relation personnelle. C'est plutôt sur l'authenticité, la véracité, d'autres aspects qui peuvent nous porter, nous poser question. Comme là, Myriam Palomba, bien entendu, c'est pas sur sa vie personnelle, mais c'est vraiment plus sur ses opinions. Et puis, ce côté très tranchant qu'elle a sur les réseaux sociaux. Donc, je vous propose d'arrêter de piailler et de vous parler de Madame Palomba. Donc, on commence ici avec la carte qui indique la tendresse. Et pourtant, cette carte qui indique la tendresse est symbolisée par deux épées qui s'entrecroisent, comme vous pouvez le voir. Donc, on nous parle d'un caractère ici. On nous parle de cette femme qui, effectivement, sait se montrer parfois très douce, mais qui sait aussi tout à fait se mettre en conflit, rentrer dans le combat, ne pas avoir peur de s'affirmer. Et c'est une personne, visiblement en tout cas, qui sait donner de l'affection et puis aussi qui sait visiblement en recevoir. On va compléter pour voir. Alors, l'héritage. Il semble que Madame Palomba, ici, nous fasse part d'un aspect plutôt personnel avec ces cartes-là. Donc, c'est vrai que c'est une personne qui a l'air d'être très bien entourée. Et une personne qui sait protéger son patrimoine et sa famille. Donc là, on nous parle plutôt de ce qui la touche au cœur, on va dire. On n'est pas tout à fait encore dans la sphère... l'arbitrage. Dans la sphère professionnelle, j'allais dire. L'arbitrage qui arrive avec l'attente. Alors, c'est une femme de combat et une femme aussi, je pense, de conviction. En tout cas, on nous parle ici d'une personnalité qui n'a pas forcément l'habitude de garder ses opinions. Pour elle, c'est une personne, semble-t-il aussi, où on peut faire appel à elle, parfois, concernant des conflits. C'est quelqu'un qui peut être très bonne conseillère par rapport à des situations de tension entre les gens. Donc, elle peut aussi tout à fait se montrer objective et juste dans ce qui est de ses choix amicaux et dans ses choix professionnels aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir des disputes d'intérêts, ni s'il le faut, pourquoi pas, d'utiliser la justice quand les choses la dépassent. Il semble que pour l'instant, visiblement avec ce jeu, on nous parle d'une femme qui est quand même fatiguée. Donc si elle regardait ce jeu, je lui conseillerais de lever le pied pendant les fêtes, parce que là, on parle aussi quand même d'une fatigue morale. Là, la violence. Alors, on nous en dit peut-être un peu plus sur cet état de fatigue morale avec la faillite. On voit ici qu'il y a des pressions financières qui sont faites sur elle. Alors, soit, effectivement, il se peut qu'elle ait perdu un contrat ou un truc comme ça, et que financièrement, ça se tend un petit peu ces derniers temps depuis
depuis déjà quelques semaines, je dirais. Soit peut-être ces contrats ont pu être revus à la baisse. En tout cas, ici, on voit qu'elle a laissé tomber quelque chose avec cette forme de violence. C'est un petit peu une carte qui est négative, hein, de toute façon. C'est un petit peu comme si on nous dit qu'elle avait lâché quelque chose, qu'elle regrette un peu aujourd'hui et que cette chose qu'elle regrette lui ait fait perdre de l'argent. Donc on peut nous parler potentiellement quand même de son changement de carrière actuel. Je vérifierai si elle travaille toujours pour Closer ou pas. Mais en tout cas, c'est possible ici qu'elle ait dû faire face à des problèmes financiers par rapport à la perte d'un contrat. La folie. Alors la folie, c'est pas le terme psychiatrique de la chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est la folie qui arrive avec la sagesse. On lui a reproché beaucoup son attitude. Ici, on nous parle de jugement. Elle a pu être traitée d'hérétique en disant certaines choses qui ne se disent pas. Et on lui a reproché cette attitude en lui disant que c'était débile, entre guillemets, d'avoir pris la parole sur certaines choses, d'avoir trop insisté sur son opinion. Et pourtant, c'est une personne de talent. Ici, on nous la décrit comme une personne qui fait preuve d'un grand esprit et qui, d'habitude, est une personne qui sait faire les bons choix. Et là, malheureusement, eh bien, elle a commis une grosse erreur. Et je pense qu'elle s'est contentée d'expliquer le minimum par rapport à sa carrière. Je pense qu'on ne sait pas tout. Et j'ai l'impression ici qu'il y a quand même beaucoup de pression qui joue sur son moral, hein, parce que je vous rappelle que le moral, c'était pas ça. Donc ici, on a les rentrées d'argent qui arrivent avec cette carte qui nous dit que pour le moment, la situation est viable, malgré que les rentrées soient moins importantes qu'avant, ça reste viable. Alors on nous parle ici de veuvage, je suis un peu ennuyée. Tout ce qui touche à sa carrière, hein, parce que moi, sa vie privée ne me regarde pas toujours, comme je vous le dis quand même relativement souvent. Ici, on nous apprend qu'elle va avoir un retour de situation par rapport à ce qu'elle attendait sur l'argent. Si au départ, cette carte de rentrée d'argent me semblait positive, ici, avec la carte de l'impératrice qui arrive pour la compléter, eh bien, au contraire, on nous apprend que cette rentrée d'argent qui était attendue risque d'être reportée. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'elle a un procès en cours et qu'il y aura un appel dessus, mais les projets sont contrariés. La manière d'être avec la maladie. Ouais, moi, je pense que vraiment, elle a fait face à des choses qui ne sont pas simples et qu'on n'a pas su. Elle a eu des pièges et elle a encore des pièges qu'elle doit éviter, Myriam Palomba. C'est des pièges vraiment qui sont vicieux, des choses qui lui sont tendues un petit peu comme si on voulait vraiment la mettre dans une situation, un peu la faire passer pour folle. Voilà. Donc il faut vraiment qu'elle fasse attention parce que les gens autour d'elle ont propension à prendre ses propos et à la tourner au ridicule, voire à la folie. Bon. La colère, bah, c'est un peu logique. C'est jamais agréable de se faire passer pour fou. Surtout quand on veut juste dénoncer des choses. La colère et la prospérité. Alors, effectivement, peut-être que de cette colère va surgir pour Myriam une nouvelle carrière. Quelque chose qui pourrait être comme ça. Quelque chose qui viendrait finalement plus positif. Avec un petit peu de chance, entre guillemets, si je peux parler de chance ici. Tout à fait, c'est quelque chose qui peut être envisagé pour la suite. Alors, on va regarder. Excusez-moi, j'essaie de remettre les cartes un peu correctement. Donc, cette histoire de colère pour moi avec la carte de coupe qui arrive renversée nous fait part plutôt d'une colère destinée à une famille, vous voyez, à plusieurs personnes. Donc pour moi, ça peut être aussi la zizanie dans la famille et potentiellement un deuil. Donc cette carte ne me plaît pas du tout et ce deuil qui pourrait entraîner éventuellement, malheureusement pour le cas, une certaine prospérité autre, d'un deuil peut naître aussi effectivement
un héritage. En tout cas, cette carte de prospérité nous dit que si elle reste prudente, les choses financièrement vont s'arranger. Et je pense et j'espère me tromper, il est tout à fait possible soit que Myriam Palomba perde un proche et bénéficie d'argent, soit ici gagne contre un procès contre plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Mais il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du clan. Voilà. Réjouissance. Et des chagrins. Oh, c'est intéressant parce que ces cartes sont toujours plus ou moins antinomiques à cette dame. Ça va souvent à l'encontre. C'est rare d'avoir autant d'antinomie dans le tirage. Donc je vois que je suis face à une personnalité qui peut se montrer parfois peut-être indécise. Qui peut aussi être une personne très différente dans sa carrière, dans sa vie privée. On parle vraiment d'une personne qui est un petit peu scindée en deux là. C'est rare et assez intéressant. Donc le 8 de bâton ici nous dit qu'elle va ici, ben normalement, avec cette carte de réjouissance, suite à ces événements qui amènent une certaine prospérité, les choses devraient pouvoir s'arranger, mais que très temporairement, parce que malheureusement, la carte du chagrin ici nous parle de nouveau de séparation brutale, nous parle ici quand même de rupture, de deuil, hein, donc il va y avoir une amélioration de sa vie, mais je pense que d'un point de vue moral ici, il risque d'y avoir quand même des difficultés pour Myriam Palomba. J'ai l'impression quand même qu'on me montre quelqu'un qui prend sur elle moralement, mais qui se sent triste en fait. Espion. Alors ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée là concernant. Est-ce que ça serait un agent double? Est-ce que c'est une personne qui va à l'encontre de ce qu'elle pense pour pouvoir faire de la propagande à travers les réseaux? Enfin, c'est des choses que j'ai souvent entendues à son sujet. Je ne sais pas vraiment qu'en penser. En attendant, ici, on me sort la carte de l'espionnage et de l'obstacle. Et pour moi, vu que le jeu va plutôt étudier elle, en fait, hein, dans sa manière d'être et dans ce qu'elle pourrait être amenée à cacher, entre guillemets, au grand public, mais c'est surtout certainement des choses qui ne nous regardent pas vraiment. Mais dans son idéal de pensée, en tout cas ici, on lui dit de faire très attention aux personnes qui sont autour d'elle et qui sont intéressées par des choses qui ne les concernent pas. C'est des personnes qui se mêlent de sa vie privée. Ce sont des personnes aussi qui sont indiscrètes et qui se servent en fait de ce qu'ils savent au sujet de Myriam Palomba pour agir à son encontre. Donc j'ai l'impression ici qu'on nous parle de faux amis, de personnes qui effectuent du bon travail pour d'autres instances et qui se servent de Myriam Palomba en fait, qui lui font croire qu'ils ont les mêmes causes, les mêmes buts, et en réalité il n'en est rien et ces personnes agissent à son encontre dans son dos. On va voir si on peut avoir des précisions sur ces gens. La probité. Avec la misère. Vous voyez, encore une fois, on est dans les antinomies. Pour moi, cette carte donc de précision par rapport à cette situation qui est louche, on voit ici un roi. C'est quelqu'un donc plutôt d'important qui va pouvoir essayer d'aider Myriam Palomba. C'est quelqu'un qui se montre fidèle, c'est un ami qui veut essayer de faire en sorte qu'on la croie et peut-être même de l'aider sur ce point de vue financier pour l'instant qui semble quand même être problématique pour elle. Je pense qu'on a exercé peut-être une sanction financière à son encontre. Il y a beaucoup d'argent qui ressort dans le jeu de Myriam Palomba, c'est très rare. C'est, je pense, le jeu que j'ai tiré où on m'a le plus parlé de va-et-vient d'argent, de contrats rompus, d'attente de sommes dues. Donc là, il y a vraiment, à mon avis, des choses. Je ne connais pas son actualité judiciaire, entre guillemets. Je ne sais pas si elle a des procès en cours, des choses comme ça. Mais il y a des transactions d'argent et je pense qu'elle elle est en attente de régularisation. Ici, on nous parle de ses mauvaises fréquentations. Donc on voit qu'elle a été aussi
mise en confrontation avec des personnes qui se sont présentées sous un jour qui n'était pas vrai. Des personnes qui ont abusé de sa confiance. On a avec la carte ici le hasard qui peut devenir plus favorable à l'avenir. Donc c'est quand même une petite perspective pour elle d'amélioration. Et cette carte-là qui se retrouve avec les excès, attention, les excès ici avec cet as d'épée. C'est une carte qui l'invite à relativiser, à essayer de prendre du recul sur sa situation actuelle. Car en réalité, bah vous voyez, car en réalité, j'allais dire, c'est déjà quelque chose qui est en cours et presque terminé. Ça va aller mieux et on est vers une période de changement la concernant. Donc je pense que dans les semaines à venir, voire dans cette année 2024 pour elle, on va être sur de nouveaux horizons professionnels avec peut-être de nouveaux contrats qui devraient la sortir de cet embarras actuel. Ici, on nous apprend avec cette carte de changement pour en finir qu'elle va ou qu'elle s'est déjà fait trahir par quelqu'un là qui pour elle qui comptait énormément. C'est quelqu'un qui lui a tourné le dos et ça lui fait beaucoup de souffrance actuellement. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de Closer ou d'autres collègues, mais en tout cas, elle a perdu le soutien visiblement de beaucoup de gens autour d'elle avec cette carte de changement. Donc, je vais essayer avec le jeu de haut d'obtenir quelques informations de plus par rapport à tout ce côté, on va dire, plutôt militant, cette partie militante de sa personnalité qui je trouve, est intéressante. Je vous dis, c'est des gens que je regarde de temps en temps sur Twitter parce que les publications peuvent être intéressantes. Je trouve que Myriam Palomba a l'air d'être une personne très cultivée et qui j'aime beaucoup comme elle s'exprime. C'est quelqu'un que je trouve intéressante à écouter. Et quand j'ai découvert cette interview où elle s'exprime très difficilement, quand même en restant en plus très très neutre sur Brigitte Macron, je me suis tout de suite dit qu'elle risquait d'avoir effectivement des problèmes parce qu'on sait que c'est un sujet qui est rejeté complètement. Les gens n'aiment pas qu'on... Enfin, les gens, pas vous, hein, mais les gens, on va dire, les instances ne supportent pas qu'on évoque cette affaire alors que on n'est plus à un truc près, hein, j'ai envie de vous dire. Que ce soit un homme ou une femme ou un ancien, je sais pas comment faut dire, enfin bon, vous savez... Peu importe, c'est sa femme et on n'a pas voté pour elle, nous, on n'a pas élu Madame Macron. J'ai envie, je sais pas, enfin, moi personnellement, ce qui me choque plus, c'est leur écart d'âge qui reste de la pédophilie, point barre, avec en plus un abus de faiblesse puisqu'il s'agit d'un prof. Donc voilà, c'est tout, il suffit de regarder les âges, point, ça c'est ni plus ni moins un abus de pouvoir. Ça c'est la vérité, une adulte de 39 ans ou je ne sais pas parce que ça fait que varier les âges, ou on va dire une quarantaine d'années, donc mon âge avec un adolescent, non, ça serait complètement inenvisageable. Et on est tous d'accord pour se dire que si ça avait été un professeur, monsieur professeur, qui s'était mis en couple avec une jeune demoiselle de 14-15 ans, voire 16 à la limite, mais même pas, je crois pas, hein, on aurait tous crié au scandale, à la pédophilie, et cette personne aurait été, je pense, humiliée et n'aurait certainement pas pu prétendre arriver à des 200 000 euros de salaire par an pour être la conjointe d'un président. Je pense pas. Donc c'est cette hypocrisie, moi, qui me fait bondir. C'est pas du tout le fait que ce soit une personne opérée ou pas... je crois qu'on n'a pas le droit de dire transsexuel non plus parce que ça se dit pas pour la cause LGBT, alors je veux pas choquer. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Moi, peu importe son identité, ce qui me choque beaucoup plus, c'est ce qui est démontrable et démontré, qui a bien, bel et bien existé. Heureusement pour eux, on va dire, l'histoire semble bien se finir, ils sont mariés, tout va bien. Mais ça reste quand même une relation qui, même si elle a démenti qu'il se soit passé quoi que ce soit avant que M. Macron ait 18 ans, eh bien, s'ils sont arrivés à attendre 18 ans, c'est qu'il y a forcément eu de la séduction au préalable. Et donc ça, déjà, ça n'a pas lieu d'être. Peu importe. C'est banaliser des choses qui ne sont absolument pas à banaliser. Et je suis désolée, mais la pédophilie aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 80 personnes qui se sont fait arrêter en France pour un réseau pédophile,
2 mois après qu'une nouvelle cellule de police ait ouvert, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant toutes ces années, j'ai envie de vous dire. Il n'y en a jamais eu autant qui ont été arrêtés. Donc pour moi, il y a de la complaisance, certainement, au niveau de la pédophilie en France, c'est mon avis. Je pense que beaucoup de gens ont profité d'enfants dans notre pays, des gens très haut placés, qui sont toujours au gouvernement et qui ont été réélus récemment à l'Institut du monde arabe. Quelle honte. Voilà. Donc moi, je suis vraiment en colère contre l'hypocrisie étatique qui organise maladroitement et quasiment sans se cacher la pérennité pardon, d'actes immondes. Et je trouve qu'il est de pire en pire, je trouve vraiment qu'il est de pire en pire de recevoir des leçons de morale de certains Laurent Fabius qui a été accusé dans l'affaire du sang contaminé, de Monsieur Macron qui lui met au pouvoir l'ensemble de ses meilleurs amis. Je vois le directeur Pôle emploi, c'était son témoin de mariage, enfin bon bref. J'en passe des vertes et des pas mûres et qu'on n'aurait évidemment pas le droit de critiquer ça en France qui se prétend pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, blablabla, blablabla. C'est faux. Je vous le dis, c'est complètement faux. Si on avait le droit de tout aborder, je pourrais vous parler librement, sans avoir peur de certains sujets qui aujourd'hui font qu'on a des morts sur les bras et qu'on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Je pourrais aussi essayer d'aborder, sans me demander si on va pas me faire sauter ma chaîne, effectivement, l'affaire Trogneux. Mais moi, j'ai pas envie de prendre ces risques-là et j'appelle ça de la censure, du boycott. Chacun son avis là-dessus, mais je vous invite à vous méfier parce que j'entends des polémiques, par exemple, sur le jour de Noël. Est-ce que c'est quelque chose qui est normal qu'on fête Noël en France parce qu'on est un pays laïque? Et puis de l'autre côté, ça allume des bougies de Hanouka à l'Élysée. Donc, cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Pour moi, il n'y a plus de logique dans notre pays. On nous dit blanc et on fait noir. Et ça, à tous les niveaux, en fait. Hein. Ça me fait doucement rigoler quand j'entends qu'ils en sont à vouloir changer les vitraux de Notre-Dame. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ambitionne, Monsieur Macron, de mettre à la place de vitraux qui sont là depuis le Moyen-Âge, qui ont été faits par des artistes reconnus, alors que lui, il n'est rien d'un point de vue artistique. Il n'est rien du tout. Et ça, c'est des bâtiments historiques auxquels on n'a pas le droit de toucher. Ces vitraux n'ont pas été endommagés pendant l'incendie. Moi, je ne suis pas catholique, mais franchement, quand je vois ça me dégoûte. Donc, j'ai vu qu'il y avait une pétition. Je vous invite, si ça vous touche, à aller la signer, moi c'est fait. Je ne vois pas pourquoi notre petit président a besoin de se mettre comme ça, gloriole, pour rentrer dans l'histoire française à travers un monument parisien des plus célèbres et aussi des plus controversés d'un point de vue symbolique. En tout cas, j'en reviens à Madame Palamba ici et voilà. Donc on apprend ici tout à fait ce que les gens lui ont fait. Pour moi, on est clairement dans. Elle a été jugée coupable, Myriam Palomba. Elle a été jugée coupable par ses écrits, par sa presse. C'est pour ça qu'elle est dans cette situation aujourd'hui. Isolée. Et vous voyez, elle n'a quasiment plus personne autour d'elle. C'est quelqu'un qui se retrouve seul du fait de ses écrits, du fait de ce qu'on lui reproche par ses écrits. Elle a retrouvé, elle va mieux visiblement quand même. Alors je ne sais pas si elle allait mal, mais pour moi oui, parce que c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est quelqu'un qui, à travers cet isolement, a certainement été très blessé, mais qui aujourd'hui a réussi à reconstruire sa carapace et à avancer. Donc il semble quand même qu'elle aille mieux. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a été trahi. Donc pour moi, c'est vraiment une femme qui est en plus victime. On l'a fait se mettre à table. C'est quelqu'un qui a subi vraiment des pressions, je pense. Alors, moi, je vous donne une interprétation qui est mienne. Pour moi, cette femme, c'est quelqu'un qui, effectivement, dans ses combats, écrit, hein, là on montre le papier, le stylo, mais c'est aussi le clavier d'ordinateur. Elle s'est vraiment mise dans une sauce incroyable, hein, pour moi, Myriam Palomba, ici. On a fait en sorte de l'isoler et de la tenir loin, je pense, d'un point de vue professionnel, de l'ensemble de ses confrères, de la discréditer. On a vraiment joué contre elle ici.
elle a pu reconstruire sa carapace et elle va pouvoir aller mieux. Si c'est pas encore le cas, ben sachez, si vous voyez cette vidéo, que ça va l'être. Par contre, la trahison autour d'elle est énorme. On l'oblige, je pense, à faire des choses qui... ou à dire des choses qu'elle ne pense pas. Et autour d'elle, c'est la calamité. Donc, pour moi, on ne veut pas du tout qu'elle informe. Là, avec le côté éducatif, on lui demande d'arrêter tout ce qui pourrait être polémique, tout ce qui pourrait aller à l'encontre de ce que l'information institutionnelle, représentée ici par le professeur des écoles, ne dit. Donc, il ne faut plus pour elle qu'elle ait certains propos polémiques, je pense. En tout cas, derrière, pour moi, elle en subit les conséquences parce que dans son entourage, il y a des gens qui la poignardent vraiment dans son dos en portant le masque du sourire. Et c'est quelqu'un qui est très mal entouré, qui a été très mal entouré. Et pourtant, en plus, on la charge, cette femme. Pouh, bah vous voyez, on la charge, on l'envoie même au tribunal. On va essayer de tout faire pour qu'elle coule. Pour moi, c'est qu'il y a des instances au-dessus qui ont donné leur accord pour ça. On a la faillite et l'isolement complet. Alors, j'espère que je me trompe, mais pour Myriam Palomba, eh bien, je crains que son engagement ici ne finisse vraiment par se retourner contre elle. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur elle. Je suis un peu déçue du résultat. J'espère que ça va aller. On verra ça certainement dans les semaines à venir pour ceux qui ont Twitter. Je suis un peu déçue pour elle, effectivement. J'espère me tromper dans tout ce que je viens de dire. Mais en tout cas, voilà l'enquête sur Myriam qui vous est proposée pour ce mercredi. Donc, n'hésitez pas à me dire si d'autres personnes du plateau de TPMP vous intéressent ou d'autres émissions, hein, bien entendu. Nagui, bon, Koé, je l'ai fait. Et c'est vrai que Koé, j'ai lutté. Hein, j'avais pas du tout envie d'en parler parce que toutes ces affaires d'agression me dégoûtent au plus haut point. Que ce soit vrai ou faux, dans tous les cas, c'est dégoûtant. Mais bon, au moins, là, avec la quatrième victime, il était quand même délicat de ne pas aborder l'affaire. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des personnes, peut-être même Thierry Ardisson, qui rentrent un petit peu en polémique avec Cyril Hanouna ces derniers temps, ce qui pourrait aussi être une personnalité très intéressante parce que c'est quelqu'un qui a aussi un vécu... ah là là, sacré Thierry. Donc je vais vous proposer de vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et je continue à travailler sur mon reportage sur la franc-maçonnerie et sur les différents aspects de celle-ci. Je ne vous cache pas que pour avoir retravaillé des interviews hier... et même avant-hier, toute la journée, c'est vraiment un sujet qui est difficile à aborder parce que effectivement, rien qu'en reprenant ces interviews-là et sans parler de me connecter à quoi que ce soit avec les cartes, juste au travers du ressenti, waouh, c'est sombre, 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 sombre. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.